Je m'appelle Amadou Koulibaly, je suis un expulsé de la France après 7 ans de vécu. Et actuellement, je suis membre du bureau national de l'AME, l'association malienne des expulsés. Ce qui est très difficile, et c'est surtout les pays, l'Occident, parce qu'à l'arrivée d'abord, parce qu'on est confronté à ce problème du papier qui est très important. Ça brise vraiment l'espoir, ça brise. Si moi je regarde mon cas, alors j'étais en situation, je n'avais pas de papier, d'accord, mais j'étais reconnu parce que même les cotisations que je faisais en rentrant dans la caisse de l'État français, vraiment, comme tant d'autres que moi, vous voyez, c'est des phénomènes, c'est des trucs qu'il faut tenir en compte. Mais ce qui est marrant dans tout ça, au moment de l'expulsion, on ne tient pas compte de ses droits. La personne est expulsée minue, tarie, alors sans autre truc, souvent un pantalon et une chemise. Je ne considère pas la migration comme quelque chose qui doit être interdite. Non, c'est un vieux phénomène, ça a existé et je vous le dis, ça va toujours exister. Parce que si vous regardez, malgré maintenant les privations de visa, malgré les refoulements, malgré les tortures, malgré tout, les gens voyagent toujours, les gens immigrent toujours. Ce qui veut dire que maintenant, essayer de trouver un frein à cela, moi je crois que c'est se leurrer. La migration va continuer aujourd'hui et va toujours continuer.